N'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation pour acheter des jeux ou des points FIFA. Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour toute nouvelle vidéo avec un pack opening pour la Toast Bundesliga. Donc déjà on va commencer par un petit SBC choix héros pour le coup. On va commencer dès le début par ça, vu que j'avais Haaland et tout, et que j'avais plein de doublons, donc j'étais obligé de le faire dès le début pour le coup. Après, pourquoi on aura d'autres packs aussi, des packs Bundesliga, bien entendu, d'autres gros packs aussi pour le coup, les gars, et puis voilà. Beaucoup les gars, voici beaucoup la Toast Bundesliga qui est sortie. Donc beaucoup, il y a du Jude Bellingham qui a une carte vraiment de fou, vraiment très très forte sa carte. Il y a Sadio Mané aussi en carte maman, il y a Goretzka, il y a aussi Grantal Colomoni qui peut être sympa à tester, il y a Nkunku aussi, il y a Diaby aussi, il y a aussi Maxence Lacroix, il y a Frimpong, il y a des bons joueurs en vrai, il y a des bons joueurs. En vrai, ce qu'on voudrait, ouais, toi, petit Colomoni, tu mets même Nkunku, Diaby, ça peut être pas mal. Jude, en vrai, c'est celui que je voudrais le plus, tu vois, parce qu'il a vraiment une carte de fou. Donc voilà. Donc pas coup, en attendant les gars, il faut qu'on ouvre celui-là déjà. Ils ont remis un choix héros pour le coup, donc... Vu que j'avais les doublons de... Quand j'avais pas Haaland, j'avais plein de doublons, donc je les ai mis là-dedans pour le coup. Voilà, bah, j'avais pas le choix. J'ai fait un petit peu Royce aussi. Faudra que je les finisse aussi pour le coup. On jouera le week-end prochain. Donc on va déjà ouvrir le choix héros. Voilà. Je pense qu'on aura de la merde, mais bon. On va défiler. S'il y a héros Fut Fantasy ou héros Titan, ça se peut caler ça. Si c'est War Cup, on l'affiche direct. Markup, ok, ça on le savait. Ah, Fut Fantasy. Fut Fantasy. En espérant que ce soit pas King comme on a eu la dernière fois, mais Fut Fantasy. On regardera avec les stats pour le coup. Ouais, sur la Markup, on était sûr, on l'a déjà. Ce qui est bien, c'est soit du milieu, soit de la droite, on les a pas. On va soit du milieu si c'est un Markup ou pas. C'est un Markup aussi. Ok. Ok, ok. Donc qui c'est qui est là? On va dire Kate. Encore une fois. Ok, ok. Ah, il est au Warcap celui-là, celui-là on l'a pas beaucoup. Donc ça peut être Lucio, ça peut être Yaya Touré, Marquisio, même Rudy Voller. Un anglais? Joe Cole? Ok. Ça va en vrai Joe Cole, hein. Ça va, c'est pas une carte dégueu. Je l'ai jamais eu en plus, je crois. Donc ok. Alors, oh, joueur offensif. Joueur offensif. Il y a qui en. Il y a Di Natale aussi. Il y a Di Natale en Fut Fantasy. Et qui d'autre encore? Ouais, il y a lui, je crois. Ça peut être pas mal. Ok, ok, ok. Ah, ça me dit quelque chose, ces stats en vrai. Je pense que ça peut être ce Dinatale. Hein. Il y a l'agilité, ça qui va nous dire. Ah, 85 d'agilité. Je pense pas que ce soit Dinatale. Il y a qui en héros Fut Fantasy en offensif? Forlan, non? Je sais pas s'il est en héros Fut Fantasy. Lui. Je ne sais plus. En passe, 89 en passe courte, ok. Ok, ok. En finition, il est pas dégueu. 90 de finition et tout. En vrai, ses stats sont pas dégueu. Hein. Ils sont pas dégueux. Et en vitesse 88, ok. Ouais, je sais pas. En allemand? C'est qui? Ah, Riken! Ah! Lars Riken! Ah là, on Riken pas trop, hein. Pas se mentir, là. Vas-y, on va voter ce coin. On prend Riken, c'est un autre pour coup. On prend Riken. Donc, beaucoup, les gars! On a tous ces petits packs là, donc ça c'est les packs du SBC Hero aussi, un peu du SBC aussi de Royce. Voilà, voilà. Après on a aussi le pack joueur Bundesliga Prime qu'on ouvrira certainement. Après on a un truc base de 81 plus pour le coup, pack joueur Bundesliga aussi. Après on a un pack 5 joueurs 85 plus. Alors je sais pas si je vais l'ouvrir, j'en sais rien. On a un pack 11 joueurs de Bundesliga, non normalement. Je sais pas si je l'ai, non je l'ai pas. Ah non, non, je l'ai pas validé celui-là, parce que je pouvais pas le faire, je me rappelle. On a un pack joueur TOTS aussi, on contient un joueur de l'équipe de la saison, d'une des équipes TOTS. En vrai, ce pack-là, c'est dans le... Je sais plus c'est dans quel truc, ça, pour le coup. Je me rappelle plus, pour le coup. Mais, je sais pas, en fait, on contient un joueur de l'équipe de la saison, d'une équipe TOTS. D'une des équipes TOTS. Donc là, pour le coup, c'est deux équipes TOTS qui seront là maintenant. Donc c'est de la TOS Communauté jusqu'à la TOS PL et la Bundes pour le coup. On l'ouvrira, je pense. Ou soit on attend. On attend peut-être la peut-être Ligue 1, ce sera certainement la dernière. Après, moi, si j'attends la Ligue 1...
Ça peut nous mettre pas mal de joueurs, donc je sais pas si je vais l'ouvrir. On verra bien pour les gars. On verra bien. Prenez un pack de joueurs 86 plus aussi, mais je sais pas si je vais ouvrir aussi. Et puis voilà. On a un pack de joueurs Team Music aussi pour le coup. Donc voilà. Oh, ça se lève. Turk, MC Chalanoglu. Ce chien de Chalanoglu. Qui a marqué contre. Ah non, c'est pas lui qui a marqué contre le Milan, je crois. Et bon, voilà. L'Inter qui a gagné contre le Milan en Ligue des Champions. Un peu relou. Bon, ça se lève à chaque fois, en vrai, c'est bien. Kostic? Non. Dusan Tadic, ok. Et Jules Koundé aussi. Ça va. Ça va, 2,84, c'est bien. Putain! Pas bleu, pas bleu, pas bleu. Mais ça sera Thomas Muller. Au revoir. Au revoir. J'ai Thomas Muller et toi, c'est éclaté, quoi. Alors, 85 10 physique, mon endurance, ok. La force, ok. Pour l'instant, ses stats, je ne connais pas. Je pense pas que ça soit de la PL. 80 en défense. Ça sort la carte EFL ou Eredivisie, tout ça. 83 d'agilité. Ouais, c'est une carte EFL ou Eredivisie, c'est sûr. En passe, par contre, il n'est pas dégueu. Ok. Voilà, bon, la finition s'est éclatée. Ouais, c'est. Ouais. Je m'en doutais que ça a été éclaté. C'est EFL, c'est sûr et certain. Ah non. 4 fois, 4 fois l'autre, 4 fois, 5 fois même je crois. 5 fois ce chien, Virman 5 fois. Oui c'est la même chose que Trippier. Tout le temps il est là, tout le temps. Casse les couilles l'autre. Virman quoi. Dégage, vire-moi de là. The next day. Bon pourquoi les gars, on va ouvrir donc beaucoup les petits packs. Voilà. Donc on a un pack de joueurs 81 plus pour le coup. Le pack de joueurs 83 plus. Le pack de joueurs Bundesliga. Après, on aura le tête. On va tête. Je sais pas si je vais ouvrir les autres joueurs, les autres packs en vrai, les gars. J'en sais rien. Peut-être en vrai. Ah, soit on l'ouvre aussi, le pack 11 joueurs Bundesliga. On a assez le pack là, mais c'est pas sûr. Peut-être on va peut-être quand même en ouvrir un. On en ouvrir un. Et après j'ai des packs dans le truc de la progression saison. Où t'as j'ai le choix, soit un choix joueur TOTS. Soit joueur Sots, soit les packs, ou soit Marcel Desailly. Donc on verra qui c'est qu'on va prendre quoi. Pour l'instant je suis pas décidé quoi. Ouais voilà. Oh, c'est par à gauche. Espagnol, MC. Thiago Alcantara. Ok. Et le petit Vlahovic. Sympathique. Putain, pas de bleu. Ça se lève. Anglais. Dédé. Kyle Walker. Ça faisait longtemps lui qu'on l'avait pas vu. Je l'ai dit en avant. Ah non, je crois que je l'ai plus. Je l'avais testé, je crois, celui-là que j'avais déjà depuis longtemps. Vu que je jouais plus avec. Mais c'est bien. C'est 85, c'est pas mal. Vas-y les gars, on va ouvrir juste un pack de 5 joueurs hors rare des Pays-Bas. Lucas De Ligt et puis Frimpong. Dans la tote, on sait jamais. Non, malheureusement non. Au moins ça se lève. Ce sera De Vrij. Ok. Allez les gars, pack 11 joueurs Bundesliga, on fait un mode photo. C'est parti. Oh, 4 doublons. Déjà, j'ai pas de tasse, donc c'est que des régulars. Ok, Rome. Pas Mécano. Ou pas Mécano. Demir Bay. L'attentat. Ok. C'est pas des gros gènes, ça va, ça va. Ok, Tapsoba, vas-y monte s'il te plaît. Fosberg, ok. Ah, 83 Angelino. Sympathique ça. Baumann, ouais. Radeki, ça monte pas, c'est relou. Oh, Kunsé Coman. Des azotas de la tos communauté, mais tranquille. Donc là, il reste une carte, les gars. Et c'est un tots, les gars. Je le vois, c'est un tots, c'est un tots. Allez, regardons ça. Alors, les stats. Ok. 75 des physiques. Ça me dit quelque chose, ça. Pas Randall, non? Je crois que c'est Randall Kolo Muani, non? Voilà, ok. 99 d'agilité, les gars. C'est pas mal. Il y a Diaby aussi, qui peut être pas mal. Diaby ou Kolo Muani, je dirais là pour le coup. Je dirais un des deux. Après Diaby, ça se peut. Hein, parce que toi, d'agilité, je pense que ça peut être lui.
90 en passe, ok, en passe c'est très fort. En finition, il est pas mal, il est même très très bien. Vitesse, 99 de vitesse, ok. Bon, c'est soit Diaby ou Colomani. Hein. Ah, il y a du bleu les gars. Oh, c'est Diaby. Bah bien les gars. Très très bien Diaby. Très très bien. Voilà notre Prometheus Buendès, le petit français Diaby qui est très très fort en plus. Donc, non, très très bien. Très très bien. En plus, je l'avais en boost, je crois. Je l'avais en boost en invendable, que j'avais trouvé même très très fort aussi. Non, c'est bien. C'est bien le petit Diaby. Pas de doublon. Impeccable. Ah, Régulard. Canales. J'allais dire pourquoi il y a Canales. C'est pas un truc Bundesliga, hein, je suis con. Là, ça commence par 95, c'est pas mal. Kenny, ouais. Ouais, je pense que c'est l'autre. Je pense pas que ce soit. Je pense que c'est à 84, non? Non, c'est Pedri. Pedri 85. Ça va certainement toast le week-end prochain. En toast Liga. Allez, mettons les gars, on se trouve le petit pack de joueurs 86 plus. On va en ouvrir que un, les gars. Que un. Enfin, on va le faire en mode photo aussi. Ah, doublon. Un doublon. Ok. Ouf, c'est pas du bleu, c'est bien. Milinkovic-Savic, ok. Ah, pas de tots. Toni Kroos, ok. Bon, voilà pour le coup, les gars. Enfin, on a fait le petit Marco Reus. On le jouera le week-end prochain aussi. Pour le coup, on a Reus et Xavi. Donc, c'est impeccable. Allez, les gars. On va tenter le petit pépé. Allez. Allez, allez. On espère qu'on n'a pas fait une erreur. Oh, les gars. J'en ai aucun en doublon, les gars. Et le truc, c'est que je crois que j'ai deux moments, les gars. Celui-là à gauche, celui-là à droite. Et le milieu, c'est un tot. Ok. Puis avoir Son, puis avoir Varane. Puis avoir Maxence Lacroix aussi, Sadio Mané, Goretzka. Donc pourquoi pas. Hein. On va regarder les trois avec les stats, les gars. Les trois avec les stats. Pourquoi? Alors, 90 de physique. Ok. Pour l'instant, ça me dit. Ok. Peut-être Varane, peut-être Maxence Lacroix, pourquoi pas. Du coup, c'est un défenseur. Ok. C'est sur Varane ou Maxence Lacroix pour le coup, je pense. Et 91 de vitesse. Je crois que c'est Maxence Lacroix, les gars. On avait bien vu. Et c'est Maxence Lacroix. C'est bien lui. Ok. Ouais, ça va. Maxence Lacroix, après, il y en a un qui dit qu'il était pas ouf, qui du coup, déjà, il coûte pas si cher que ça. Je savais que ses anciennes cartes sur FIFA 21, elles étaient pas folles non plus. Et il avait des stats de fou, mais mon in-game c'était pas fou donc on a quand même Maxence Lacroix. Quand même pas mal. Alors, 87 de physique. Ok, donc là pourquoi on est sur le deuxième moment, les gars. On fera le toast, le vrai toast à la fin. Donc là, 87 de physique. 87 de physique. Il y a Reece James aussi. Ça peut être lui aussi. Que Son, ou Son peut-être aussi. Ok, il y a Sadio Mané et Goretzka, mais je crois que. On regarde ce qu'il annonce, qu'il a quand même plus de 90 de physique. Et Sadio Mané, je. Peut-être. Peut-être. Après, en force, il a quand même 90, donc je miserais peut-être sur un petit Reece James quand même. Donc, on va 88 en défense. Moi, je pense que c'est Reece James, non? 81 d'agilité, ok. Je pense que c'est Reece James. Hein. En passe, ok. Pas dégueu quand même. Pour les finitions, sans doute. Et la vitesse, 90 de vitesse. Bah, je crois que c'est lui. Ah oui, salut. On avait deviné les deux cartes. Hein. Les deux cartes, on avait deviné. En vrai, Reece James, c'est pas dégueu. Même si j'ai déjà traîné pour le coup, mais bon. Toi, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Après, on sait jamais. Si le Tots, là, imagine, il y a De Bruyne ou. On sait pas, donc. Donc voilà. C'est un gardien. Mais c'est qui? Ramsdale, je l'ai déjà. Ah, bah, c'est un gardien de Bundesliga, non? Oh, c'est Kobel, non? Ah, nique-toi. Nique-toi! Putain! Ah, nique-toi, Kobel. Ah, nique-toi bien. On a eu deux de Bundes et une de PL, quoi. Putain, c'est relou! Ouais. Pas fou, pas fou. Bon, ça se trouve, on aura fait le pack, on a pris le pack, on aurait eu. Hein. Ça se trouve, on aurait eu Maxence Lacroix et Kobel, donc en vrai. En vrai, voilà, quoi. Allez, les gars, on va prendre Maxence Lacroix, allez. Vu qu'on fera la team Buendess le week-end prochain, bah, autant prendre Maxence Lacroix. Pourquoi les gars, en vrai, ce qu'on a eu, ça va en vrai.
Même si bon, les choix héros, comme d'habitude, bien éclatés, avec Riken, bien sûr. Tosbundes, très bien. On a eu Diaby, on a eu Maxence Lacroix aussi, donc à la fin, dans le petit pépé. Voilà. On a eu Virman, bon, ça, voilà, ça mérite un peu. Hein. 5 fois qu'on l'a, donc relou, pas se mentir. Après, on a aussi des régulars par-ci, par-là, et puis voilà. Pourquoi les gars, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Moi, sur ce jeu, c'était bien quand même. Ciao!